Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mathieu, bonsoir Marie. Namasté à vos présences. Bonsoir. Coucou. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Il me fait très grande joie d'être parmi vous ce soir pour cette conférence sur les walk-in. Et avant de commencer, eh bien, je vais poser la question traditionnelle. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? De notre côté, tout est OK. Et je salue tout le monde dans le chat. On est déjà nombreux, plus de 60. Et je tiens également à préciser que nous sommes également en direct sur la chaîne de Sébastien Sauchard, la chaîne YouTube qui est Qui êtes-vous TV? Et donc Sébastien diffuse également sur la chaîne Eveium le dimanche. Ainsi, vous pouvez voir son œuvre sur la chaîne Eveium aussi. Alors, bonsoir Hélène. Nous avons également la chance de notre côté aussi. Bonsoir Denise. Bonsoir Sophie. Ah mince, oui, c'est vrai. J'oubliais sur la chaîne de Sébastien, pardon, on ne peut pas présenter les miniatures. Voilà, c'est la consigne qu'il m'avait donnée. Pardon Sébastien. Alors bonsoir Astra, bonsoir Véro Véro, bonsoir Cathy, bonsoir Fox 22, bonsoir Isabelle, bonsoir Pema, bonsoir Afida, bonsoir Inge, bonsoir Isabelle. Bonsoir Claire-Estelle, bonsoir Julie, bonsoir Sylvie, bonsoir Tsédéter, bonsoir Natacha, bonsoir Mathieu, bonsoir Création 16, bonsoir Cynthia et merci de vos retours. Donc bienvenue pour cette soirée, cette émission. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre retour dans le chat. Donc ce soir, j'ai brièvement présenté le sujet. Donc le sujet, c'est vraiment axé autour des walk-in. Il y aura bien sûr une réponse aux questions. On va notamment voir aussi le terme avatar. Hein. Donc justement, on en discutait tout à l'heure hors antenne. Un walk-in, c'est quoi? Est-ce qu'on peut être plusieurs fois soi-même dans l'incarnation un walk-in? Qui est concerné? Comment se déroule le processus walk-in ou comment il peut se dérouler? Comment aussi bien vivre cette expérience et bien vivre son incarnation lorsqu'on est walk-in? Peut-être on va aussi parler des différents contrats d'âme et de certains détails qui peuvent concerner effectivement le fait qu'il y ait une âme entrante et une âme sortante au niveau du vaisseau d'incarnation. Voilà, et bien sûr, il nous fera joie de répondre à vos questions. Notamment Marie Le Pennec, que vous retrouvez sur son site marie-soin au pluriel-énergie.com, donc qui est guérisseuse, canal, qui est simplement venue aider à l'ascension planétaire telle qu'elle est, dans un rôle de guérisseuse et d'aidante qu'elle incarne depuis des siècles et des siècles. Également Mathieu Roger, qui est également walk-in lui-même, qui témoigne de ses expériences et participe à élever la conscience collective en témoignant de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu et de ses conscientisations. Voilà, donc je vais tout de suite te laisser la parole, Marie. Si tu veux parler de ce que tu ressens par rapport au walk-in, sachant que walk-in, eh bien, moi-même, je suis un walk-in multiple. Mathieu, tu es aussi un walk-in. Oui. Et Marie, tu es aussi une walk-in. En tout cas, on a fait cette expérience-là dans l'incarnation. Ça. Eh ben, merci de me laisser la parole. Et avant de commencer à parler un peu de mon expérience en tant que walk-in, déjà vous dire que je suis
super contente de partager ce moment avec vous tous. Et d'autant plus contente d'aborder le sujet avec vous deux, en fait, Mathieu et Nicolaya, parce que je trouve que justement, en étant trois à avoir vécu cette expérience-là, bah, ça peut être vraiment, même pour nous, en fait, enrichissant d'en parler. Et voilà, certainement que l'échange sera d'autant plus vaste et porteur, en tout cas, je l'espère. Et pour commencer à introduire en parlant de mon expérience, j'ai réalisé finalement il n'y a pas si longtemps que ça que j'étais moi-même ce qu'on appelle une walk-in, donc c'est-à-dire un être, une âme qui vient s'incarner dans un corps qui est déjà là. Je pense que je l'ai vraiment conscientisé il y a à peu près un an de ça, une des dernières fois où ça m'est arrivé. Ou en tout cas, ouais, vraiment conscientisé, c'est ça. Et avec le recul, je peux effectivement reconnaître plusieurs fois où ça m'est arrivé dans mon parcours. Et tout à l'heure, alors que je repensais justement à ça, au sujet qu'on allait aborder ensemble ce soir, je me disais, mais finalement, j'ai l'impression que plus j'avance en temps, et je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge, mais je vois que ces dernières années, notamment ces deux dernières années, ça m'est arrivé plusieurs fois en l'espace de finalement peu de temps, et j'ai l'impression que plus j'avance et plus ce phénomène peut aussi être plus fréquent, ou en tout cas je le conscientise beaucoup plus clairement que ce que je pouvais le conscientiser avant. Et justement, je trouve que c'est un sujet, en fait, ça faisait longtemps que je voulais aborder ça, et je trouve que c'est quand même un sujet délicat à aborder, et c'est pour ça que je trouve que toi, Mathieu, tu en parles très bien d'ailleurs, parce que dans ce parcours-là et dans ces expériences-là, en tout cas dans comment moi je l'ai vécu, et les témoignages que j'ai pu entendre aussi, il y a des moments où c'est quand même, enfin, de façon générale, c'est un mouvement, je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient, mais un mouvement qui se fait, qui peut paraître très subtil finalement, bon déjà pour les personnes autour de soi, mais pour soi-même aussi. Et donc, il y a eu plusieurs fois où ça m'est arrivé, où je me demandais un peu ce qui se passait, et notamment la fameuse fois où je pense que j'ai vraiment conscientisé ben, voilà, ce qui était à l'œuvre en fait. Donc, il y a à peu près un an de ça. Et c'était justement cette expérience de walking là, ça a été une des expériences les plus difficiles pour moi. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs passages comme ça qui se sont faits, qui ont, bon, il y a toujours eu besoin d'une acclimatation pour moi, mais qui se sont faits, entre guillemets, plus facilement. Et la dernière fois, pourquoi cette fois-là, je ne sais pas, certainement que c'est lié à plein de choses, mais ça a été vraiment un passage douloureux. Il y a eu plusieurs mois où je me suis vraiment demandé comme où j'étais passée, en fait. Voilà. Je vous laisse un peu la Merci. parole, du coup. Merci pour cette introduction, Marie. Mathieu, je te laisse la parole. Oui, donc moi aussi, j'ai vécu cette expérience. Et c'est vrai que pour moi, ça a été quand même assez marquant. Parce que pour moi, ça s'est passé au cours d'une agression, en fait, où je suis tombé inconscient. Moi, c'était il y a 5 ans. Et en fait, en me réveillant, en revenant à moi, le transfert s'était produit et ça a été assez marquant puisque je savais plus du tout qui j'étais. Donc j'ai quand même, ça a été quand même quelque chose de, même si je n'avais pas d'explication, que je n'avais pas récupéré le souvenir de ce qui m'était arrivé, ça a été quand même un moment assez marquant parce que je me souvenais plus de la manière dont je me comportais avec les gens en fait. Je savais plus du tout qui j'étais et j'avais même oublié certains événements des derniers temps et même plus tôt dans ma vie, et tout ça est revenu un peu par après. Mais donc c'est comme une, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu moi, c'est comme une cassure dans l'ego. Il y a comme une désidentification qui se fait de l'ego et des mémoires précédentes de cette incarnation-ci. Donc c'est comme si je me demandais aussi, comme tu le disais, où je suis passé, en fait. Comment j'étais et comment je fais pour redevenir comme avant. Puisque, en fait, ce qui dicte notre personnalité, entre guillemets, et nos blessures et nos schémas de comportement, en tout cas,
lorsqu'on ne s'est pas recentré pleinement en soi, eh bien, c'est l'identification à nos mémoires qui crée une forme de personnalité plutôt qu'une autre en fonction de notre vécu ici, de l'expérience de l'âme. Donc, lorsqu'il y a une désidentification de tout ça, on ne sait plus du tout comment se comporter avec les gens, en fait. On ne se rappelle plus comment faire, quelle option choisir, puisque lorsque cette désidentification est faite, moi, je pouvais comprendre chacun des personnages des personnes autour de moi. Et puisque je ne m'étais pas encore recentré pleinement en moi, que je ne m'étais pas encore souvenu de ce que je suis vraiment, eh bien, j'ai fait le choix de mettre tel ou tel personnage en fonction des personnes que j'avais en face de moi. Je comprenais facilement leur personnage, ce qu'ils jouaient ici, ça me paraissait simple et plus petit quelque part, puisque on réduit ce qu'on est en s'identifiant à des mémoires ou à des blessures particulières. Et donc, ça me paraissait facile de comprendre comment ils fonctionnaient. Et donc, j'ai reproduit à chaque fois les personnages des personnes en face de moi. Mais ça a pris du temps, puisque finalement, je me suis recentré en moi. Et c'est bien ça, ça concerne tout le monde finalement, pas que les Walk-in. C'est vraiment lorsqu'on se ressent pleinement à l'intérieur de soi, dans son cœur, qu'on se souvient de qui on est et qu'on sait finalement comment agir ici, en alignement au cœur. Mais pour moi, lorsque c'est arrivé, je n'étais pas encore pleinement recentré en moi. J'étais juste désidentifié de toute blessure et de tout ego, de tout schéma de comportement. Donc, c'est vrai que j'étais un peu perdu. Et j'ai essayé de redevenir la personne que j'étais avant sans y arriver. Jusqu'à ce que je me recentre en moi à travers diverses expériences qui me sont arrivées. Et c'est progressif. De plus en plus, plutôt l'ego se souvient. Enfin, c'est pas vraiment l'ego, mais je dis pas le mot âme puisque l'âme n'a jamais oublié. On peut pas effacer la mémoire. C'est vraiment lorsqu'on se recentre pleinement en soi qu'on se souvient de qui on est. Et ça nous amène à comprendre comment agir ici. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord une phase lorsque le walk-in survient, en tout cas pour moi, où on est juste perdu. Puisque tout ce à quoi on était identifié avant, on ne l'est plus. Et donc, on erre comme ça ici sans vraiment savoir comment ce qu'on doit faire, comment agir. Et on se sent forcément différent. Et puis, on va essayer de s'adapter comme tout le monde, pas seulement les walk-in. On va essayer de s'adapter, évidemment, en construisant des choses pour pouvoir vivre ici, jusqu'à ce qu'on se recentre pleinement en soi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. C'est vrai qu'on a chacun notre histoire et notre vécu propre. Alors moi, déjà, j'ai vraiment vécu le walk-in. Donc, le fait qu'il y ait une âme entrante et une âme sortante d'une manière vraiment particulière, c'est-à-dire que l'être de lumière que je suis, donc que je suis toujours, mais sur un autre plan, je l'ai vécu plusieurs fois d'une façon différente, mais je l'ai conscientisé au fur et à mesure, mais vraiment une fois particulièrement. Donc, en fait, ça a été une extraction de l'âme, du corps de lumière, par la glande pinéale. Donc, en fait, c'est l'être que nous sommes, hein, mais sur un autre plan, qui se concentre, en fait, sur le corps et qui s'extrait par la glande pinéale pour aller sur un plan de lumière. En fait, tout simplement, parce que la glande pinéale, elle contient des cristaux qui sont des cristaux d'apatite, et ces cristaux sont des transducteurs dimensionnels, c'est-à-dire qui nous permettent, c'est notre antenne, hein, l'une de nos antennes principales avec la glande pituitaire et d'autres glandes cristallines que l'on a, notamment aussi, bien sûr, l'ADN aussi, c'est aussi des antennes, mais là, particulièrement, la glande pituitaire ou la glande pinéale, eh bien, en fait, elle permet au corps, à l'âme, au corps de spirituel de s'extraire du temple d'incarnation, du temple humain, de ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathieu, avec Marie, l'avatar, hein, donc l'avatar humain. Et donc, je l'ai vécu comme ça, donc j'ai été tout de suite conscient que j'étais pas le même être. Donc j'ai tout de suite conscientisé ça, et du fait du processus
par lequel c'est arrivé. Donc j'ai vraiment, d'un point de vue humain, si on veut, vraiment cru que ben, ma dernière heure était arrivée, que j'allais y passer, que j'allais mourir, etc. Donc je l'ai vraiment vécu comme un deuil, en fait. Vraiment comme si j'étais décédé, en fait, puisque, comme tu le dis, Mathieu, il y avait la mémoire de l'être qui a changé de plan. Qui a quitté l'incarnation, et il y avait la mémoire, enfin, la qualité, on va dire, vibratoire de l'âme entrante. Donc, ça, c'est arrivé comme ça une première fois. Et ben, moi, effectivement, j'ai beaucoup transmuté par le côté j'ai pleuré pendant, je sais plus, une semaine ou des mois, etc. Donc beaucoup, beaucoup de transmutations, de lourdes choses comme ça. Alors, bien sûr, sur le moment, c'est très douloureux, très difficile. Maintenant, que j'ai catalysé tout ça, c'est vraiment juste une histoire, si on veut. Mais maintenant, c'est vrai que sur le coup, ça peut être traumatique et douloureux. Alors, il faut savoir que quand on a un changement d'incarnation, quand il y a une âme entrante et une âme sortante, donc quand il y a une âme entrante, en général, il y a une âme sortante, mais il peut y avoir le cas où il n'y a pas d'âme sortante, c'est-à-dire qu'il y a une âme entrante, par exemple d'origine stellaire, et il y a une âme ben, qui a eu beaucoup d'incarnations, par exemple sur le plan humain, eh bien, qui peut rester accrochée au corps par le cordon d'argent, mais elle se met en retrait. Donc à ce moment-là, comme l'âme des étoiles, elle est plus haute vibratoirement, en fait, c'est elle qui va prendre le dessus, entre guillemets, en termes vibratoires. L'autre va être en retrait et va être dans l'observation. Ça peut être un cas d'apprentissage, ou en tout cas, il y a des contrats d'âme qui sont passés entre les âmes. Et il peut y avoir certains cas où il y a plusieurs âmes qui sont incarnés dans le temple humain, qui habitent l'avatar, en fait. Le temple d'incarnation, le vaisseau d'incarnation, après, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Et moi, me concernant, ça m'est arrivé aussi par après, donc après cette expérience de walking, mon âme, elle a appelé d'autres âmes d'origine stellaire à s'incarner dans mon vaisseau, dans mon avatar, mon vaisseau d'incarnation humain. Et ça m'est arrivé d'avoir plusieurs instances d'âmes incarnées dans mon vaisseau, en ce vaisseau humain, ce personnage, hein, voilà, qui était présent simultanément. Notamment, c'est arrivé une fois jusque quatre en même temps, et c'est à chaque fois des expériences. Et après, il y a des vibrations. Chaque âme spécifique a une vibration. Et après, en fonction de tes vibrations de l'instant présent, ben, ça peut être une ou l'autre qui est plus en avant-plan dans ta personnalité, etc. Donc ça, c'était ce que je voulais dire. Alors effectivement, il y a un changement de personnalité. En général, il se peut aussi que votre entourage ne vous reconnaisse pas. Si vous êtes, c'est des changements qui sont rapides, et vous avez la possibilité ensuite vraiment de changer de vie rapidement. Par exemple, vous avez des passions X ou Y, et bien d'un seul coup, vous laissez tout tomber, et puis vous dites maintenant, ben tiens, je vais me lancer par exemple dans, je sais pas, le champ de guérison, ou dans, ben, voilà, des choses liées à l'ascension, par exemple, au service de l'élévation vibratoire, au service de l'élévation collective, avec le sentiment aussi fréquent d'avoir une mission, d'être venu pour une mission. Et ça, ce changement, quand on est walking, il peut avoir lieu très rapidement. Et on peut très rapidement se mettre, on va dire, à l'ouvrage, hein, se mettre en action. Et il se peut aussi, ben, comme tu l'as dit, Mathieu, qu'on perde des mémoires, à savoir qu'on se souvienne plus ou moins bien de ce qu'on a vécu avant le walking, parce que l'âme, forcément, qui est l'aspect aussi, il y a un aspect mémoriel dans l'âme, hein, un aspect magnétique, qui après se retrouve également, bien sûr, dans la mémoire plus matérielle, notamment les mémoires cellulaires. Mais voilà, c'est les mémoires de l'âme, en fait, qui sont imprégnées aussi au niveau cellulaire, même si après c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi des choses qui sont liées au transgénérationnel, etc. Mais en fait,
Voilà, il se trouve que il y a ce changement rapide qui a lieu et le fait qu'on peut oublier qui on était avant. Et ben moi, j'ai conscientisé ensuite que j'avais été plusieurs fois walk-in dans ma vie, notamment ben, à l'âge de 3 ans. Et donc souvent, quand on est bébé, ça peut arriver. Quand on est très jeune et on s'en souvient plus. Et en fait, comment j'ai conscientisé ça? J'ai cherché vraiment dans mes souvenirs les plus anciens, les plus profonds que j'avais en moi, et j'arrivais pas à remonter au-delà de 3 ans. Je me souvenais pas du tout. Et bah, justement, lors d'une guidance avec Marie, eh bien, elle m'a dit, elle m'a confirmé que j'avais été walking à cet âge-là. Ensuite, je l'ai nouveau été vers l'âge de 10 ans, où il y a des événements un peu traumatiques et émotionnels qui sont arrivés dans ma vie. Donc c'est un peu comme toi, Mathieu, mais c'était pas une agression, mais je veux dire c'était lié à des expériences que j'ai vécues dans l'incarnation humaine, qui fait que voilà il y a eu ces changements. Et ça m'est arrivé donc nouveau une nouvelle fois vers l'âge de 36 ans à peu près. Justement, quand il y a eu cette extraction par la glande pinéale. Et donc, voilà, ça peut nous arriver aussi sans qu'on le sache la nuit. Ça peut arriver aussi comme ça. Et j'ai personnellement observé au niveau de certains êtres de mon entourage comment ça se manifeste aussi. Ou comment ça peut se manifester au niveau du plan, on va dire, humain. En fait, moi, j'ai observé que ça se manifeste par des vaisseaux. Donc, il y a des vaisseaux qui se téléportent à côté du corps et qui, en fait, projettent l'essence, l'âme, dans le corps, dans le temple, en fait, l'avatar humain. Et après, il y a une extraction du corps spirituel du temple humain, en fait. Donc, il y a un échange, en fait, qui a lieu. Et bien sûr, ce sont des contrats souverains entre soi divin. Qui sont existants. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais un peu dire, partager au niveau de mes expériences en tant que walking. En résumé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou apporter des précisions par rapport à ce que vous avez vous-même vécu, Marie, par exemple, ou. Ben, je me reconnais dans beaucoup de choses que vous exprimez tous les deux. Et c'est vrai que dans mon expérience à moi, ces moments d'échange d'âme, parce que c'est un peu comme ça que je les qualifie dans mon expérience, c'était très souvent, si ce n'est toujours relié, soit à des épisodes qui étaient comme trop traumatisants pour moi. Et où du coup l'âme qui m'habitait à ce moment-là, voilà, est partie sur ça. Ou alors c'était aussi lié à des rencontres et des rencontres d'âmes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois suite à des rencontres d'âmes de vivre 2 fois en l'occurrence avec 2 âmes différentes et de sexes différents. Mais c'était tous deux des êtres bah, très reliés à ma propre âme en fait. Et donc je vois que effectivement les liens qu'on peut avoir dans la matière, enfin pour moi c'était des êtres humains, mais je pense que ouais on peut nouer des relations dans la matière qui nous font comme des sortes de décharges en fait et peuvent aussi quelque part induire ça. En tout cas, dans mon expérience, ça s'est aussi passé comme ça. Après, je me reconnais aussi beaucoup dans ce que vous dites par rapport, ben, toi, Nicolaya, à la notion de deuil. C'est aussi clairement ce que j'ai pu vivre et ressentir. Et quand tu parles, toi, Mathieu, de cette notion de désidentification à l'ego, c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. Et même ça, pour moi, ça a pu être perturbant à un moment donné parce que
Alors que je sentais que j'étais, bon, ça fait un peu pompeux dit comme ça, mais dans une version ben, plus évoluée de moi-même et donc aussi dans plus d'énergie et plus de lumière à un endroit, je ne me sentais pas forcément plus à l'aise d'emblée avec cette nouvelle version de moi-même, en fait, parce que je me sentais tellement ben, désidentifiée que j'étais perdue. Ouais, j'étais perdue. Et par rapport à moi-même et par rapport à mes relations. Et ce qui était difficile, c'est que, bon, déjà, je pense en tant qu'être de lumière en général, c'est souvent difficile de. En tout cas, il y a des passages comme ça dans la vie où c'est difficile de se reconnaître parmi ben voilà, le monde humain. Et je pense qu'en tant que walk-in, parfois, c'est encore plus difficile parce que des fois, on ne se reconnaît même pas soi-même, en fait. Donc ça c'est déroutant et aussi ce que je vois dans mes relations, ce que ça a pu changer et qui était déroutant, c'est que comme j'avais plus cette identification à l'ego, les relations qui dans ma vie ne me correspondaient plus pour X ou Y raison ou avaient un caractère toxique quelque part, alors que je n'arrivais plus à les nourrir, une part de moi ne voulait en fait pas s'en détacher parce que ben du coup elle a plus de repères. Et bon, je donne l'exemple des relations, mais c'était comme ça avec plein de choses dans ma vie en fait. Et aussi, je remarque que c'est pas que, par exemple, mes liens familiaux, mes amis, etc. Avant et après le walk-in, je les aimais toujours en fait. C'était toujours ben ma maman était toujours ma maman, etc. Mais même dans ma façon d'aimer, je me reconnaissais pas tout à fait parce que c'était un amour comme empreint de beaucoup plus de détachement que l'amour terrestre que j'avais pu connaître avant, en fait. Et ce détachement que j'avais toujours cherché et auquel mon âme m'avait toujours poussé dans ma vie à travers plein d'expériences, une fois que je l'ai vraiment senti en moi, eh ben, ça m'a fait une sensation un peu de vertige presque. Je me suis dit, peut-être bêtement, mais à quoi je vais me raccrocher du coup maintenant en fait? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Merci, très intéressant. Mathieu, tu veux partager? Oui, pour la notion de deuil, moi aussi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, comme une mort en fait, hein. Presque comme une mort chamanique, comme une nuit noire de l'âme, puisque tout ce qu'on pensait être disparaît et s'effondre. Mais je dirais que c'est encore plus intense que lors d'une nuit noire de l'âme, puisque tout s'effondre réellement d'un coup. Et moi aussi, donc j'ai beaucoup transmuté, beaucoup pleuré après ça. Ça n'a pas été évident. Et puis, il y a aussi cette notion de laisser partir certaines énergies encore liées à l'âme précédente. Et c'est un processus de transmutation qui peut se faire encore pendant un certain temps après le walk-in, de libérer encore une certaine forme de densité au travers d'expériences pour pouvoir prendre pleinement sa place dans ce corps. Et puis, ce qui a été, pour ma part, je ne sais pas si c'est le cas de tous les walk-in, mais c'est que avant l'échange d'âme, il y a comme une transmutation qui a été faite d'énormément de choses, que j'ai simplement dû libérer par la suite sans avoir besoin d'expérience pour le faire. Une transmutation de beaucoup de choses, puisque mon âme ne. Je ne voulais pas passer par là. Je n'avais pas besoin, entre guillemets, de passer par là. Je voulais directement venir ici, me souvenir le plus rapidement de qui je suis pour pouvoir œuvrer, simplement partager en étant qui je suis. Et donc, il y a aussi cette notion quand même de transmutation pendant un temps. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est que pour ma part, c'est un choix, c'est un réel choix qui a été fait entre mon âme et celle de l'âme précédente avant l'incarnation. Puisque nos âmes se connaissent très bien, on a vécu de multiples expériences ensemble. On a fait le choix, en fait, de faire cette expérience-là, qu'il vienne faire ses 16 premières années de vie dans cet avatar, et que je prenne sa place par la suite. Puisque le walk-in, en fait, permet de se souvenir plus rapidement de qui on est, puisqu'il y a cette cassure et cette désidentification. Et il y a aussi, en fait, c'est comme si le chemin était inverse.
je l'ai toujours senti à l'intérieur de moi, comme si la plupart des gens qui passent par le processus de la naissance ont cette notion d'être vraiment comme identifiés ici à leur incarnation, et puis à cette matrice, en tout cas ici sur Terre, puisque la situation est telle qu'elle est, pleinement identifiés ici et avoir ce chemin d'ouverture à ce qu'ils sont réellement. Et le walk-in, c'est plus un chemin de descente avec une mémoire vive, plus ou moins vive, de qui il est réellement, et de devoir s'adapter et descendre ici dans un corps humain et s'adapter à cette planète, à son corps physique et à cette densité. Et je dirais peut-être que finalement, d'un point de vue plus large, c'est le cas de toutes les âmes, puisque les âmes qui descendent ici même au moment de la naissance vivent ce processus-là. Mais puisqu'elles se développent sans changement, c'est elles qui se développent dans l'enfance, elles vont s'identifier à leur mémoire, certaines blessures vont être générées, elles vont être beaucoup plus identifiées. Alors que le walk-in qui ne va pas vivre la période de développement de l'enfance et d'identification et de construction de l'ego, et puis de même d'imprégnation du corps, en fait, d'ancrage, de tester, de courir, de jouer, il va descendre ici et devoir s'adapter, en fait, par le haut, entre guillemets, même si c'est un peu imagé. Mais il y a vraiment cette notion de descendre et de devoir s'adapter. Voilà. Donc c'était vraiment un choix aussi. Ça, c'était. Je tenais à le dire que pour ma part, c'était un choix préincarnatoire de le vivre pour qu'on puisse vivre cette expérience tous les deux. Et d'ailleurs, ce qui a été particulier dans mon expérience, c'est que j'ai rencontré ici dans la matière, j'ai retrouvé l'âme qui était dans mon corps avant moi. Puisqu'en fait, l'âme projette sa conscience, en tout cas, c'est mes termes à moi, l'âme projette sa conscience dans différents corps en même temps. Mais elle peut également le faire dans deux corps sur Terre, durant la même période. Et en fait, j'ai rencontré ici dans la matière, une autre incarnation de l'âme qui était dans mon corps avant moi. Et je l'ai reconnue. Et on s'est retrouvé ici avec d'autres êtres avec qui on a fait le choix de descendre sur Terre. Et d'ailleurs, cette âme a projeté sa conscience dans plusieurs corps en même temps. Elle a également préparé, entre guillemets, les corps d'autres êtres avec qui j'ai reconnecté ici, que des frères d'âme avec qui j'ai été incarné sur de nombreux autres plans. Et avec qui je suis venu ici, elle a préparé leur corps à eux également. C'était vraiment le choix de son âme de préparer la venue d'autres êtres ici. Et en fait, on se connaît. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est que il faut en fait quelque part un lien entre ces âmes, qu'elles se connaissent pour faire le choix de venir faire cette expérience ici et de ce changement. Après, je pense que ça peut certainement aussi se faire durant l'incarnation. Mais en tout cas, dans mon expérience, c'était ça. C'était vraiment un choix préincarnatoire. Tout était prévu, en fait, au millimètre près. Bien que je me suis souvenu par après que le moment de l'agression, en fait, je ne devais pas forcément venir là. J'aurais pu venir un peu plus tôt que ça, mais les aléas dans la 3D ont fait que ça ne s'est pas fait comme ça. Et en fait, ce moment de l'agression était comme le dernier moment, puisqu'en fait, mon corps physique est mort durant l'agression. Donc c'était le dernier moment pour que je puisse entrer ici et vivre cette expérience. Mais ça aurait pu se faire avant. Donc parfois ça peut, je veux dire, c'est pas obligatoire de vivre quelque chose d'aussi traumatisant qu'une agression physique pour pouvoir faire un walk-in, pour que le transfert puisse se faire. C'était comme imprévu. Ça aurait pu se faire plus doucement. En tout cas, dans ce qu'on avait prévu, mais les aléas de la 3D font que ça ne se passe pas toujours comme on le prévoit avant l'incarnation. Et puis, le temps n'est pas le même d'un point de vue supérieur, finalement. Donc, le fait que ce soit fait peut-être quelques années plus tard ici, ça ne représente que quelques jours ou quelques semaines du point de vue d'autres plans, par exemple. Par exemple, du plan depuis lequel, le dernier plan sur lequel j'étais, les Pléiades, avant de venir ici, les quelques années de retard qu'il y a eu ici ne représentaient finalement que quelques semaines ou quelques mois là-bas. Donc c'est pas grand-chose au final.
Oui, c'est vrai que plus on monte dans les densités, plus le temps, la perception du temps s'écoule rapidement. Quand on change de plan, d'un seul coup, ça va tout vite. Et en fait, plus on monte, plus effectivement le temps est rapide. Parce que le temps, en fait, il est pas linéaire comme nous. Comme de nombreux êtres le perçoivent, c'est-à-dire par les sens et ce qu'on vit effectivement avec l'identification du processus, enfin le processus plutôt d'identification au corps et à ce qu'on vit au niveau sociétal, mais le temps il est spiralant et en fait il est même toroïdal. C'est vraiment, ça pourrait être un sujet aussi à part. L'espace-temps, le temps, c'est quelque chose qui n'est pas du tout linéaire en fait. Et moi, je voulais dire effectivement que ça peut effectivement ce processus Walking se dérouler aussi. Ça se déroule souvent, enfin en tout cas de mon côté, la nuit. Donc souvent la nuit quand on est justement dans la période de sommeil. On peut devenir walk-in, souvent ça se passe la nuit. Ou alors ça peut se passer aussi lors d'un choc, aussi par exemple accidentel, des choses comme ça. Des choses comme tu l'as vécu, Mathieu. Voilà. Donc il y a différentes circonstances qui font que ça peut arriver. Et sinon, je voulais également ben, peut-être commencer à répondre aux questions, si vous êtes d'accord. Oui. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Alors, je les passe pas à l'antenne, donc sous la vidéo, mais je vais juste les énoncer. Donc, Natacha Chacha, elle nous dit, je pensais que ça se passait forcément après un choc, donc ce n'est pas le cas. Bon, ça, on a un peu répondu. Voilà, sauf si vous voulez peut-être ajouter quelque chose. Oui, peut-être que pour préciser, du coup, en tout cas dans mon expérience, même si c'était pas toujours associé à un choc physique, ça c'est quand j'étais bébé. Les fois où ça m'est arrivé, même quand c'était relié à une rencontre d'âme, ça a toujours été un peu vécu aussi comme des sortes de choc interne, puisque tout à l'heure je parlais d'une forme de décharge. C'est, en tout cas, dans ma perception, le phénomène walking, il n'est pas forcément lié à un choc physique, même si c'est quand même assez régulièrement le cas. Mais c'est quand même souvent lié à des épisodes clés et charnières de la vie de la personne, en fait. Tout à fait. Alors, Doris, elle nous dit, donc, en tant que walking sur Terre, savez-vous pourquoi vous avez choisi de vous incarner de cette manière? Avez-vous une mission particulière à faire rapidement suite à ce choix? Mathieu, vas-y. Je laisse répondre. Oui, moi, j'ai fait le choix, en fait, depuis le grand soleil central. J'ai fait le choix de venir sur Terre pour cette période particulière. Donc, c'est un choix fait dans l'amour, un choix d'âme, dans l'amour, par amour pour la planète Terre, de venir pendant cette période. Et donc, ça s'est fait petit à petit, de dimension en dimension, en allant m'incarner sur des mondes différents à densité de moins en moins élevée jusqu'à la planète Terre. Et en fait, on est venu à plusieurs spécialement pour cette période, pour en fait incarner qui on est. C'est en fait c'est la seule chose d'abord, c'est vivre pleinement l'instant, se recentrer pleinement en soi, se souvenir de qui on est, et ensuite diffuser d'une manière ou d'une autre de faire ce vers quoi on est appelé en fait, puisque tout est là en fait, il n'y a pas vraiment besoin de mentaliser, vraiment, c'est s'écouter en soi, qu'est-ce qui nous appelle, et finalement, c'est ce que énormément d'âmes ont fait le choix de faire ici, durant cette période particulière. Et le fait de le faire, de venir en tant que walk-in, permet justement de se souvenir plus rapidement de qui on est. Mais en fait, ça ne dit rien sur un quelconque niveau de l'âme. C'est vraiment un choix d'âme. C'est un choix de l'âme. Par exemple, l'âme qui était dans mon corps avant moi, durant les 16 premières années de vie,
il n'y a aucune différence quelconque de niveau entre nous. On est des êtres du grand soleil central, tous les deux. Mais c'est simplement l'expérience ici de densité en passant par le processus de la naissance qui fait que c'est différent, qu'on est peut-être plus, qu'on se souvient moins rapidement de qui on est. Et le Walking permet ça. Mais c'est vraiment un choix d'âme, c'est pas une histoire de niveau d'âme. C'est un choix d'expérience de l'âme. Merci, merci beaucoup. Alors effectivement, je peux juste compléter que de mon point de vue, oui, il y a des âmes qui viennent s'incarner justement pendant cette période pour faire un travail spécifique lié à l'ascension de l'humanité, une élévation vibratoire. Et en général, ce sont des âmes justement qui ont... Enfin, tout le temps même, hein. Ce sont des êtres qui sont vraiment très spécialisés à travers justement le fait qu'on a préparé cette incarnation humaine dans différents plans. Parce qu'effectivement, moi, c'est pareil que toi, Mathieu, par rapport à mon origine. Et ben, en fait, voilà, c'est pour tout le monde pareil, en fait, hein. Il y a on passe par différents plans, différents groupe de conscience, où ça peut être Sirius, Pléiade, etc. On descend en vibration jusqu'à arriver. En général, on passe souvent, enfin, il y a beaucoup d'êtres qui passent par Vénus, par Sirius et par Vénus, et Pléiade aussi, on me dit. Donc, ensuite, on arrive dans l'incarnation sur le plan humain. Et donc, effectivement, il y a une acclimatation, pardon. vibratoire qui fait que voilà, on descend dans les plans de la densité, plus en plus dans les plans de plus en plus denses. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et effectivement, on vient avec une mission, on vient avec son unicité. Donc ça peut être, par exemple, on peut rapidement acquérir des capacités de guérison, par exemple, si on a un changement avec une âme qui a fait ce choix et travaillé ces aspects-là aussi par rapport à ses groupes, à son groupe d'âmes, eh bien, on peut acquérir certaines capacités, ou alors que ce soit du côté de la science, on peut d'un seul coup faire des découvertes au niveau scientifique ou des choses comme ça. Et en fait, tout ça, ça provient de notre connaissance intrinsèque et de notre expérience aussi sur les autres plans de lumière. Et finalement, on peut présenter ça de manière linéaire, mais en fait, il n'y a que l'instant présent qui existe. Et en fait, dans cet instant présent, et là, ça nous ouvre justement sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'aspect, à dire, de la plénitude, l'aspect de la multidimensionnalité et de la conscience, de l'esprit divin qui s'incarne en fait simultanément dans différents plan d'existence au sein de différents groupes de conscience de manière simultanée, c'est-à-dire que personnellement, je sais que voilà, j'ai d'autres aspects de moi qui ici et maintenant peuvent même me parler, mais ça reste toujours moi, mais dans d'autres plans de conscience, dans d'autres plans de fréquence, après qui utilisent bien sûr l'archétype humain pour que moi je puisse les comprendre, etc. Mais c'est toujours moi, mais c'est un autre aspect de moi dans un autre plan d'existence, un autre plan de lumière. Et tout ça, c'est simultané, c'est vraiment dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose une notion qui est très forte et très très importante. C'est cette notion de simultanéité, sachant que là-haut, ils peuvent se caler dans l'espace-temps pour nous parler dans une fenêtre de l'espace-temps bien précise. Donc, parce que aussi là-haut, enfin nous, eux, nous aussi là-haut, on a une période de vie, donc une incarnation, un temps de vie, et puis un temps où on n'est pas incarné. Mais quand on est dans l'incarnation, et ben hop, ils peuvent se refocaliser dans l'espace-temps pour nous parler dans cet ici et maintenant. Voilà, en suivant les chemins de lumière. Donc, parce qu'en fait, il y a un chemin de lumière principal, après il y a les réalités parallèles, mais eux, ils nous voient et de leur perspective, c'est comme si on prenait une boule de cristal, en fait, c'est ce qu'ils me disent, eux, ils regardent dans une boule de cristal, ils voient tous les plans, les chemins de lumière où on est dans les réalités parallèles, et là, hop, ils disent, tiens, je vais, hop,
focalise ma conscience là, je vais lui parler là. Et donc, c'est fantastique, donc, toutes ces possibilités qu'ils ont. Et donc, voilà, je voulais aussi parler de cette notion de simultanéité. Et il y a une autre notion que je voulais amener, c'est la notion d'avatar. Alors, vous connaissez tous et toutes peut-être, ou peut-être pas, mais il est quand même très connu le film Avatar. Et donc, il y a cette notion, il y a des êtres, en fait, qui ont gardé leur corps d'être des étoiles, mais qui sont dans des caissons de stase. Voilà, et où, en fait, ils sont dans une sorte de rêve ou de sommeil, où on extrait une partie de leur âme. Et ensuite, c'est cette partie d'âme où il y a un choix des fréquences qui sont choisies parce que un corps humain a deux brins d'ADN, même si maintenant on a plus de brins d'ADN qui se sont activés, mais au départ, on a quand même que deux brins d'ADN. Ben, ça permet pas, bien sûr, à une grande partie de l'âme, de l'être des étoiles qui, lui, peut avoir 12, voire 24 brins d'ADN ou même peut-être encore plus. Donc de ce fait-là, ils choisissent en fait différentes fréquences. Il y a certains choix qui sont faits justement liés à la mission de vie, à la mission qui va être réalisée sur Terre par rapport à l'ascension et l'élévation de la conscience humaine. Et c'est une partie de l'essence en fait qui ensuite vient s'incarner dans le corps humain. Et tout ça, c'est un processus vivant parce que au fur et à mesure que l'être, il va travailler sur lui, il va transmuter les mémoires parce qu'il peut y avoir des contrats d'âme, on peut récupérer par exemple le karma de l'âme précédente dans cette incarnation-là. Donc, on va avoir par exemple au début de l'incarnation de Walking un gros travail de transmutation lié à ce qu'on a vécu précédemment. Ou même dans les vies précédentes, on peut récupérer ces karmas-là pour les transmuter, les transcender. Ensuite, avec la descente, il peut y avoir un processus de descente de l'âme dans le corps qui va en fait aussi déclencher une activation des ADN, donc des codes de lumière, codes de lumière qui vont s'activer, se manifester au niveau de l'ADN et avec l'activation de différents brins d'ADN. Donc tout ça, c'est un processus vivant, c'est pas quelque chose de figé du tout, et c'est vraiment un processus vraiment merveilleux qui se produit et qui est bénéfique ben, pour l'être humain, pour la conscience humaine et aussi pour bénéfique pour l'évolution des autres parts de nous-mêmes dans les plans des stellaires, dans les plans des étoiles, ou parce qu'on va aussi les honorer, bien sûr, les êtres de l'intra-terre, parce que moi, il m'est arrivé aussi d'avoir une âme entrante, donc Walking en incarnation dans ce temple humain, qui est toujours originaire de l'intra-terre. Donc voilà, c'est vraiment un processus magnifique. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je vous ai transmis mon enthousiasme. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. En tout cas, là où vraiment ça, pour moi, ça fait écho, c'est dans le caractère justement multidimensionnel de la chose, tu vois, les avatars et le processus Walking, en fait, tout ça, c'est vraiment dans le but, encore une fois, oui, tu vois, Mathieu, tout à l'heure, il disait de se rappeler qui l'on est, bah, d'une certaine façon, c'est ça, reconnecter à sa multidimensionnalité, c'est une façon de se rappeler donc qui l'on est. Et finalement, comment expliquer? Pour moi, alors peut-être que je m'écarte un peu de ce que tu disais, Nico, mais ce qui me vient aussi, c'est que quand tu reconnectes à cette multidimensionnalité, c'est aussi ce que tu viens infuser quelque part, enfin, voilà, autour de toi à travers ta présence. Et tout à l'heure, il y avait une question en ce sens aussi, justement, pourquoi on a choisi nos, enfin voilà, là, mon porte a choisi cette expérience-là.
Pour moi, c'est ça, c'est pour infuser cette conscience-là pour que chacun se rappelle la source de ce qu'il est en fait. Et ce que tu expliques au sujet des avatars, c'est exactement la même chose. En tout cas, pour moi, ça sert le même dessin. Et je vois vraiment ça, ces avatars et ces walk-in comme des. Voilà, plein de petits, voilà, des éléments, des êtres parmi d'autres qui viennent vraiment infuser, diffuser cette conscience-là de la multidimensionnalité et aussi, parce qu'il y a un endroit où quelque part ça se rejoint, cet amour inconditionnel qui n'est pas forcément du tout acquis pour nous-mêmes d'ailleurs qu'on expérimente aussi, mais c'est vraiment des énergies pour moi dont on est porteur et dans mon expérience, et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, je vois que c'est ça que je non seulement que je peux éveiller parfois chez certaines personnes, et tu vois Mathieu, tout à l'heure tu parlais aussi du fait que tu avais reconnu l'âme sortante chez toi. Et en fait, tu expliquais du coup qu'il y avait, ou c'est Nicolaïa après qui expliquait qu'il pouvait y avoir plusieurs âmes comme ça en même temps. Et moi, je reconnais aussi que c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que je viens m'infuser. En différentes personnes que je rencontre au fur et à mesure d'ailleurs. Et c'est comme si je venais m'infuser. Et j'ai vraiment profondément cette sensation et je remarque que c'est toujours dans le même dessin de me reconnaître totalement en l'autre. Et je vois que cette expérience, enfin ces expériences walk-in mènent beaucoup dans ce cheminement parce qu'il y a quelques années, le principe, voilà, la conscience de l'unité. Enfin, pour moi, l'unité, c'était un principe, et je le comprenais intellectuellement, mais je le ressentais encore pas vraiment en moi. Et ces expériences walk-in et le fait de reconnaître aussi que comme si je m'infusais dans des personnes, vraiment, je le reconnais comme ça. Eh bien, comment expliquer? Ça m'aide à être vraiment dans cette reconnaissance et cette conscience profonde, ce ressenti profond que c'est en fait c'est on est tous à l'image de la source et il y a je sais pas comment l'expliquer avec des mots, je tourne un peu autour du pot, mais ouais, c'est ça, cette conscience d'unité profondément ressentie dans les cellules en fait. Et je trouve que ça se relie encore avec ce que tu expliques au sujet des avatars. C'est vraiment des sujets qui se rejoignent. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop écartée du sujet. Non, Je... non, pas du Et, tout. un mot par rapport à ce que tu disais, c'est que c'est vrai que j'ai pris conscience de ça aussi. C'est qu'en fait, c'est comme si ça peut être des choix d'âme aussi. Ces personnes que tu rencontres autour de toi sont des êtres que tu connais, dont tu connais l'âme, avec qui tu as certainement vécu des expériences ailleurs. Et c'est comme si vous portiez des codes à l'intérieur de vous, les uns pour les autres. Et le fait d'être au contact de ces personnes, ils vont te diffuser certains codes qui vont toujours plus te rappeler qui tu es vraiment et ce que tu es vraiment au travers de ce genre de rencontres. Moi, je sais que, par exemple, en reconnectant avec les êtres avec qui j'ai fait le choix de descendre ici, ils portaient tous certains codes qui m'ont permis de me souvenir encore plus de qui je suis, au travers soit de certaines vibrations qu'ils portent en eux, soit au travers de mémoires qu'on récupère en reconnectant à ces personnes, de mémoires d'expériences qu'on a vécues avec ces personnes ailleurs. En les récupérant, c'est comme si on se souvenait encore plus de qui on est vraiment. Et donc c'est comme si on portait des codes les uns pour les autres, et les lieux aussi. Différents lieux où on va portent des codes qui vont toujours nous rappeler plus qui on est et nous recentrer de plus en plus à l'intérieur de nous. Ouais. Exactement. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, alors il y a d'autres questions. Alors,
Cristaline pose la question, est-ce que ça peut se passer durant la grossesse de la maman, d'après vous, le fait de devenir un walk-in, un échange d'âme durant la grossesse? Moi, je dirais que c'est possible. Si par exemple la première âme avait simplement fait le choix d'expérimenter ce que c'est d'être dans le ventre de la maman, par exemple, et qu'elle laisse ensuite la place à l'être qui va vivre son expérience entière, ou pas, s'il y a un autre walk-in par après. Mais tout est possible, je pense qu'il n'y a aucune limite pour l'âme dans le choix de ses expériences. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais tendance à répondre là pareil, que c'est possible, tout à fait. C'est ça. Et probablement aussi que il est possible que les deux âmes, l'âme de la maman et l'âme du bébé, fusionnent véritablement au point de comme vraiment se confondre en fait. Je Wow. pense que ça, c'est aussi tout à fait. Super. Alors, il y a des questions aussi concernant les starseeds. Pouvez-vous, donc de X Pilou, pouvez-vous distinguer le walk-in du starseed? Eh bien, je pense que, en fait, finalement, la plupart des âmes sur Terre ont vécu des expériences également en dehors de la planète Terre. Et je pense que le terme starseed, on l'emploie vraiment pour ces âmes qui ont fait le choix de venir ici pour cette période particulière, pour accompagner l'humanité dans cette période. Et tout ça, c'est qu'une histoire de termes finalement, hein, mais je pense que c'est ça qu'on entend par starseed. Vraiment C'est ces ça, âmes ouais. qui ont fait le choix de Oui, venir voilà, pour oui, cette voilà. période. Et alors, je pense qu'on pourrait dire que les walk-ins sont également des starseeds. Et les walk-ins font simplement un choix différent quant à leur expérience ici, c'est-à-dire qu'ils vont venir plus tard, au cours de l'incarnation. Mais ils sont aussi starseeds. Je pense que c'est ça Mmh. que. C'est ça, enfin, c'est aussi ce que. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que le terme starseed, c'est vrai qu'il est plus connoté, on va dire, orienté, voilà, une âme qui est, par exemple, qui n'a jamais eu d'expérience d'incarnation sur Terre. Donc, c'est une D'accord. graine d'étoile en ce sens que elle a de nombreuses vies simultanément dans les plans de lumière. Et voilà, elle décide de s'incarner sur Terre. Et donc, c'est une graine d'étoile, puisque forcément, elle n'a jamais expérimenté le processus humain. Mais après, au-delà de ça, c'est vrai que quand on peut, en élargissant la chose, c'est que d'où vient une âme, sachant qu'une âme, pour moi, elle est associée vraiment à un esprit. Donc, il y a le couple esprit. Donc, qui est présent au sein de l'âme. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne. C'est une unité, c'est un esprit, en fait, qui prend une forme à travers l'âme et qui s'incarne. Et d'où vient l'esprit? De partout et de nulle part, en fait. Il peut très bien aussi avoir des parts qui ont des formes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que en tant qu'être humain dans cette matrice que nous vivons, on fait l'expérience de la forme, donc on fait l'expérience aussi des perceptions limitatives que l'on a avec notre corps, etc. L'illusion de séparation, l'illusion de limitation, mais au-delà de ça, eh bien les mondes de la non-forme. C'est la majorité des cas, c'est les mondes où il n'y a pas de forme en fait. Et les êtres des étoiles, par exemple, ils peuvent aussi manifester des formes par la pensée, donc manifester une forme aussi par la pensée. Donc voilà, c'est très très vaste et au final, c'est un peu difficile de définir voilà, c'est cette notion de provenance ou pas des étoiles. Sachant qu'il y a quand même des âmes aussi, ça c'est important aussi, qui peuvent être créées par Mère Terre Gaïa elle-même. Donc c'est-à-dire que ça va être vraiment des âmes qui sont des extensions, des émanations de Mère Terre Gaïa. Donc ça existe aussi. Donc à ce moment-là, ben, l'âme, elle n'est pas
d'origine des étoiles, parce que c'est une nouvelle instance d'âme. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mère Terre Gaïa, elle est un avatar aussi au niveau planétaire du Soleil central. Et même au-delà, c'est une extension de l'esprit mère, en fait, de l'univers local. Et Mère Terre Gaïa, elle a cette possibilité, cette capacité de créer des âmes, donc aussi. Donc à ce moment-là, ce sera une âme, j'ai envie de dire, gaïenne directement. Voilà. Personne ne rebondit. Voilà, donc Je savais pas, moi, en tout cas, ce que tu expliques sur le fait que Gaïa pouvait engendrer elle-même des âmes. Je n'avais aucune conscience de ça. moi non plus. Y a beaucoup d'âmes d'êtres incarnés qui sont originaires, en fait, notamment de Mars et de la planète aussi qui forme la ceinture d'astéroïdes. Qui s'appelait Mélona, où elle avait d'autres noms aussi, hein, qui maintenant forme la ceinture d'astéroïdes parce qu'elle a été détruite lors d'une explosion. Et donc, il y a eu différentes. Gaïa, elle a pris sous sa coupe, elle a accueilli beaucoup de réfugiés, des êtres qui cherchaient une terre d'accueil dans son grand amour, et elle a accueilli tous ces groupes-là pour leur permettre effectivement d'évoluer dans un cadre où il y a effectivement beaucoup d'âmes d'origines différentes, en fait, ou qui ont vécu, en fait, différentes vies dans différentes incarnations autres que la Terre. Alors, y a-t-il des Walk-in qui ne savent pas qui sont Walk-in? Oui, Cool, je pense. mais oui. Alors oui, effectivement, oui, il y en a. Oui, il y en a, et c'est vrai que parfois on peut ne pas s'en rendre compte aussi. On peut pas ne pas s'en rendre compte parce que justement, si on a cet événement traumatique et qu'on oublie aussi nos mémoires d'avant, eh bien alors c'est notre entourage justement qui va nous trouver changés, etc. Et ça peut être après, ils vont peut-être l'imputer à l'accident, à l'événement, ce qu'on a vécu, à l'agression, etc. ou quoi. Mais en fait, on sera littéralement un autre être. On sera vraiment un walk-in. Donc ça peut arriver. Ouais. Parfois, on le découvre des années après. Par exemple, moi, c'est que récemment que j'ai découvert que j'avais été walk-in à l'âge de 10 ans et de 3 ans. Mais au-delà de ça, je ne le savais pas. Et j'ai même découvert récemment que j'avais été 2 fois walk-in, en fait, successivement, en 2014. Et j'avais conscience que d'une fois. Donc, c'est vrai qu'on peut le découvrir un peu n'importe quand dans notre vie, hein. Je pense qu'on le découvre, en fait, au moment où on est prêt à l'accueillir. Au moment où on a catalysé suffisamment de choses et où on a conscientisé suffisamment de choses, on a avancé sur notre plan de conscience pour effectivement pouvoir accueillir ça. Au Ouais, c'est moment où ça. on est prêt à l'accueillir, et aussi, je pense, si ça a un sens ou un intérêt particulier pour nous, de le conscientiser, parce que parfois on peut être walking sans jamais le savoir, et c'est OK comme ça. Tout à fait, oui, effectivement, ça peut être le cas aussi. Alors, il y a Afida qui pose la question. Mais au fait, vous êtes des galactiques ou les êtres ET dont vous parlez ou pas? Voilà. Donc, je vous laisse répondre. J'ai pas bien compris la question. Par rapport au fait qu'il y ait une âme entrante d'origine des étoiles, elle pose la question, est-ce qu'on est les galactiques qui s'incarnent, en fait? Ben, Oui. oui, c'est ça, en fait. Bon. Moi, je peux essayer de répondre un peu plus précisément, et je vais rebondir du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, quand tu disais que certaines âmes entrantes, souvent, elles transitaient via Vénus ou Sirius ou les Pléiades. Alors moi, avant de conscientiser que j'étais une Walkine, c'était
il y a déjà quelques années maintenant. J'avais fait un voyage astral et je m'étais retrouvée sur Vénus. Et là, j'avais rencontré un être féminin qui se prénommait Christie, qui semblait me connaître très, 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 très bien et avec qui j'avais ben, conversé. Et elle s'était présentée comme étant mon autre, une sorte de double sur Vénus. Et elle m'avait expliqué, ben voilà, toi tu es descendu t'incarner, moi je suis restée là. Mais un jour, enfin, elle l'avait pas dit explicitement, mais voilà, un jour on se rencontrera, on se croisera. Et effectivement, ce que j'ai conscientisé bien bien longtemps après, c'est que cet être que j'avais rencontré et que je prenais pour, enfin, qui était d'ailleurs quelqu'un faisant partie de ma famille d'âme, était aussi en fait quelqu'un qui est venu du coup s'incarner après comme prendre le relais. Voilà, donc effectivement, on peut exprimer qu'on est des êtres, oui, galactiques, des étoiles. Comme beaucoup d'humains, ouais, comme beaucoup d'humains incarnés sur Terre, sans encore une fois qu'ils soient pour autant walk-in, en fait. Effectivement, effectivement. Je te laisse parler, Mathieu. Oui, bah, merci, je te remercie. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les galactiques, comme on appelle, n'interviennent pas directement? Eh bien, tout simplement parce que le peuple humain doit comprendre et évoluer de lui-même. On ne peut pas faire comprendre à quelqu'un sans qu'il fasse le chemin lui-même. On ne peut pas faire évoluer quelqu'un à sa place. On peut le voir à notre échelle d'ailleurs avec les personnes qui nous entourent. On ne peut que être pleinement soi et les laisser libres dans leur expérience et agir nous en étant en alignement avec nous-mêmes lorsqu'on interagit avec ces personnes. Et en fait, le seul moyen d'accompagner l'humanité de l'intérieur pour les galactiques était de descendre ici dans des corps humains, de subir l'oubli à des degrés différents pour chacun et d'ensuite se souvenir de qui ils sont depuis l'intérieur pour que l'espèce humaine en tant qu'espèce se souvienne de qui elle est vraiment et évolue dans l'amour depuis l'intérieur. Et c'est le cas de millions, j'ai envie de dire, d'êtres qui sont là et de la plupart des personnes qui écoutent cette vidéo, sinon toutes, je dirais même. Effectivement, et c'est vrai que c'est une question intéressante, Afida. Alors, moi, j'ai envie de dire à la fois oui, à la fois non, et plus encore, à savoir que à la fois il n'y a que nous qui nous sommes, parce qu'il y a ce processus d'unicité de quelque chose qui fait qu'on est unique. C'est aussi à travers notre incarnation. Après, il y a des fréquences vibratoires, on est porteur de fréquences vibratoires uniques aussi. Après, voilà, les galactiques, c'est-à-dire que on est aussi galactique, à savoir, mais c'est nous, mais avec d'autres formes. Donc, on est à la fois humain, à la fois galactique, et puis à la fois autre aussi, parce qu'il y a des aspects de nous qui sont non-formes, on est l'esprit aussi qui prend forme. Et en fait, ça revient à ce que disaient les grands maîtres, les maîtres ascensionnés, c'est je suis ce que je suis. C'est-à-dire qu'en termes humains, jamais on ne pourra définir ce que l'on est ou qui l'on est dans notre magnificence, dans notre plénitude, parce que finalement, en tout cas le vivre, finalement, parce que nous sommes des avatars de la source. Parce que finalement, quand on remonte comme ça jusqu'à l'esprit, au-dessus de l'esprit, il y a le super-esprit, au-dessus de l'âme, il y a la surâme, etc., jusqu'à l'essence, l'essence primordiale. Voilà, et ensuite, donc c'est directement issu de la source. Et finalement, eh bien, comme il n'y a aucune séparation et que tout était unité et tout est unifié. Au sein de la conscience universelle, eh bien, je pense qu'il est juste de dire je suis ce que je suis. Et donc ça, c'est intéressant, je pense, d'en parler. Oui, lorsque je dis se souvenir pleinement de qui on est, c'est évidemment avant tout ce qu'on appelle le soi, ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi, cette part de nous
qui est hors toute expérience et qui est la même pour nous tous. Et donc, c'est évidemment ça avant tout, au-delà de toute mémoire multidimensionnelle, c'est ce qu'on est réellement, se recentrer pleinement en soi, à l'intérieur de soi, et se souvenir de ce que l'on est peut-être, plutôt de qui l'on est. C'est ça avant tout, évidemment, et ça se fait en se recentrant pleinement en soi, mais lorsqu'on le fait, on récupère naturellement, c'est là que se trouve, c'est comme si le cœur, le chakra du cœur était comme un portail vers toutes les expériences que notre âme vit. Donc, en se recentrant pleinement en soi, naturellement, on retrouve la mémoire également de ce qu'on a été sur d'autres plans. Effectivement. Et c'est pour compléter un tout petit peu ce que tu dis, Mathieu, c'est enfin dans ma perception, c'est cette mémoire, tu la retrouves beaucoup justement à travers le ressentir en fait. C'est-à-dire que bien sûr, on peut avoir des souvenirs, on peut avoir des accès médiumniques comme ça, certaines informations de ce qu'on est. Mais dans mon expérience, c'est aussi et avant tout vraiment un ressenti. Tu vois, ces moments où tu te souviens ce que tu es, quand ça revient en toi, parce qu'après, c'est quelque chose qui est peut-être là de façon plus palpable ou plus pérenne, mais c'est vraiment un ressenti comme d'amour, voilà, difficile à décrire d'ailleurs, mais c'est ce qu'on peut nommer d'ailleurs, encore une fois, l'amour inconditionnel, c'est ce ressenti de l'amour pur, puissant, de comment c'est ce qui fait tourner le monde en fait et comment nous-mêmes on est cette essence d'amour. Et pour moi, le fait de se reconnaître dans ce qu'on est, bah, c'est avant tout ce ressenti-là en fait. Et c'est ça aussi qui derrière, une fois que tu ressens ça, amène aussi petit à petit à des formes de reconnexion peut-être plus extérieures. Effectivement. Et justement, c'est très intéressant et j'adhère tout à fait à ce que vous dites. C'est parce que finalement, le but de notre incarnation, au-delà d'une mission spécifique, c'est vraiment d'incarner qui l'on est, comme tu le dis bien, Mathieu, vraiment en allant en soi et en ancrant cette lumière, cet amour dans tous nos atomes, dans toutes nos cellules, dans tout notre corps, dans tout ce que l'on est dans l'incarnation. C'est vraiment ça ce qu'on est venu faire, en fait, sur Terre, au-delà d'une mission plus spécifique ou d'un travail plus spécifique avec un groupe d'aide des étoiles ou de l'intra-terre, par exemple, ou plusieurs groupes, voilà. Mais c'est vraiment d'incarner qui on est, c'est la source, vraiment, la présence divine dans notre vie. Incarner cet amour, cette lumière qui, en résonance, eh bien, va participer à travers justement tous les aspects de notre être, qu'ils soient quantiques, énergétiques, humains, dans nos relations, dans nos actions, dans ce que l'on crée, dans ce que l'on veut vivre, dans tous les aspects de notre être, eh bien, qui va permettre justement d'élever la conscience humaine, d'élever aussi vibratoirement les lieux où on se trouve, à travers le fait que quand on s'incarne, bien sûr, on est accompagné, on a des guides, on a des guides, on a des anges, on a des archanges qui nous accompagnent. On peut accéder à tous ces mondes et ces plans de lumière qui nous deviennent accessibles et plus facilement accessibles du fait aussi que déjà on a la connaissance de le vivre sur d'autres plans. Parce qu'il y a cet aspect aussi que quand on devient walk-in, on ouvre effectivement notre conscience de manière plus importante sur le plan humain. Et donc, c'est plus facile après d'être en connexion, bien sûr, avec les mondes et le plan de lumière quand on a cette élévation vibratoire liée au walk-in, en fait. Ça. Et en fait, ce que je remarque aussi, c'est que, tu vois, on pourrait dire que finalement, les humains, ils ont tous une mission commune qui est ça, justement, ce que tu dis, Nicolaïa, et le fait d'être. C'est comme si on s'infusait tous les uns les autres petit à petit pour nous ramener tous communément à cette conscience de.
Voilà, de ce qu'on est encore une fois, cette conscience de la source. Et je remarque que alors les walk-in, mais plein d'autres êtres en parallèle, ils s'infusent, ils s'incarnent en grand nombre actuellement, justement parce qu'ils sont là aussi de façon assez spécifique pour accompagner le changement vibratoire de la planète. Et tout à l'heure, Mathieu, il disait, voilà, si les galactiques, enfin je sais plus comment tu l'as formulé, mais en gros si les galactiques y venaient, ce serait juste pas vibratoirement supportable, ça ferait comme un trop gros choc. Et en fait, pour moi, les galactiques y viennent en s'infusant petit à petit à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est comme si notre présence à chacun, depuis tout à l'heure, j'ai vraiment cette image de comme si on était, avec une lampe torche ou je sais pas, et qu'au contact des uns et des autres, et ben voilà, on diffusait notre lumière, notre lumière, notre lumière. Et qu'en fait, c'est vraiment comme ça que la conscience collective revient dans cette conscience de ce qu'elle est, sans que ce soit quelque chose qui fasse exploser la planète. Oui, effectivement. C'est ce processus progressif qui fait que cette conscience, justement, des êtres de l'intra-terre, des êtres galactiques, des êtres des étoiles, eh bien, elle émerge en fait par le bas, en fait, par monsieur et madame tout le monde, par tout un chacun, par soi, par ses voisins, par ses amis, sa famille. Et le processus walk-in, justement, participe grandement à cela. Et c'est vraiment aussi, ça permet d'accélérer les choses aussi. Et parce que on peut devenir aussi walk-in, c'est vrai que ça, on en a pas parlé, quand on est en échec aussi. Au niveau de son incarnation. Donc, il y a des êtres, par exemple, qui ont des origines stellaires, qui se sont incarnés, qui ont pris le temple humain ou qui incarnent effectivement, qui s'incarnent sur le plan humain. Eh bien, on peut, dû à la matrice, au blocage sociétal, etc., ou à l'ego, ou d'autres choses, des mémoires, des énergies, des choses plombantes qu'on n'aurait pas pris en charge et dont on n'aurait pas fait le travail nécessaire. Eh bien, on peut être en échec dans sa mission. Et à ce moment-là, pour impulser une nouvelle dynamique, eh bien, il peut y avoir un walk-in qui est décidé, c'est-à-dire un contrat qui est passé, un accord qui est passé suite à ce que l'on vit justement dans la matière, puisque Mathieu, tu l'as dit aussi, il y a les aléas qui sont aussi liés à ce que nous vivons sur le plan humain. Et donc, ça peut être aussi un cas pour l'apparition d'un walk-in, en fait. Il y a quelque chose qui me vient là, quelque chose qui pourrait être important d'aborder, c'est la notion d'ancrage pour le walk-in. Puisque le fait de faire ce processus dans l'autre sens, de comme descendre ici dans un corps, peut amener une difficulté pour le walk-in à s'ancrer ici. Et puis peut-être une certaine forme de résistance à la densité, de résistance à l'incarnation. Peut créer ce manque d'ancrage et moi je sais que ça a été quelque chose qui n'a pas été évident puisque pendant plusieurs années j'ai eu très peur en fait d'être ici, j'ai eu très peur de la densité, ça me paraissait comme dangereux, très lourd et donc j'ai beaucoup vécu à l'intérieur de moi et je dirais même un peu au-dessus de mon corps et je sais que c'est un processus qui se fait dans le temps en fait. Que la vibration puisse s'intégrer pleinement au corps. Je sais que ma vibration était comme trop élevée pour la densité du corps 3D. Et donc, c'est quelque chose qui s'est fait par balise des moments sur ces 5 dernières années qui m'ont fait descendre de plus en plus dans mon corps jusqu'à un dernier moment dont je me souviens où j'ai vécu. Un soin sur un medbed en fait. C'était un medbed sur Terre
C'est un medbed naturel, c'était une pierre, mais en fait, le site était vraiment un vaisseau au sol avec un poste de commande et différentes fonctions. Et je me suis allongé dessus. Il y a un vaisseau de ma famille galactique, comme on dit, qui est venu au-dessus et qui m'ont accompagné. Et en fait, c'était comme, je l'ai ressenti comme une phase finale. J'ai eu plusieurs étapes durant ces dernières années où je suis descendu toujours de plus en plus. Et c'était comme une phase finale où je suis descendu pleinement dans mon corps. Et en fait, quelques temps après le soin, une heure, j'ai été très surpris de découvrir la réalité depuis le point de vue de l'intérieur de mon corps. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais toujours été un peu au-dessus, puisque soudainement, je me retrouvais réellement au milieu de la scène. Au milieu de la scène, à l'intérieur de mon corps, je sentais mes mains. Je sentais mes jambes, je sentais tout beaucoup plus proche, mes facultés, l'énergie dans mes mains, je sentais la chaleur des gens autour de moi et c'est des choses que je ne sentais pas, j'étais comme au-dessus. Et dans le point de vue de chacun, dans chacune des scènes, toujours dans le point de vue de chacun et pas à l'intérieur de mon corps, même si c'est un peu imagé. Et en fait, ce jour-là, j'ai vraiment réalisé à quel point je n'étais pas dans mon corps. Et c'est lié à ce processus de walking. Ça s'est fait petit à petit, vraiment petit à petit. Au début, durant les premières années, chaque interaction avec quelqu'un me faisait peur puisque ça me ramenait ici. Et donc, ça a évolué vraiment petit à petit. Et à ce moment-là, je me suis souvenu, après ce soin, je me suis souvenu que pendant 16 années, j'ai vécu comme ça, comme tout le monde en fait. Mais que ça faisait 5 ans que je n'avais pas été pleinement à l'intérieur de mon corps. Et je sais que c'est vraiment un processus qui s'est fait dans le temps, où je suis venu alchimiser petit à petit mon corps pour pouvoir accueillir ma vibration. Et donc, ça, on revient à la notion d'ancrage et à quel point c'est important finalement de vivre pleinement l'instant. Et pour les walk-ins, s'il y a des walk-ins qui regardent cette vidéo, parce que justement, le fait de vivre cette expérience peut nous amener à avoir envie de fuir finalement et à se sentir tellement peu à sa place, ne tellement plus savoir qui on est qu'on fuit un peu la réalité, cette réalité humaine. Et ça fait partie du processus, c'est normal. Mais il est vraiment important de revenir pleinement dans l'instant, de vivre pleinement l'instant en étant centré en soi. Parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est là que tout viendra, lorsque vous vivrez pleinement l'instant. Et en fait, tout se situe dans l'instant. Tout est dans l'instant. Il faut y aller, entrer dedans profondément pour pouvoir se sentir pleinement incarné ici. C'est vraiment important. C'est vraiment important d'accepter qui vous êtes réellement aussi, d'incarner ce que vous êtes réellement, puisque le walking, du fait de cette désidentification, et comme l'expliquait Marie tout à l'heure, de ces notions d'attachement qui disparaissent envers certaines personnes, va finalement, en fait, tout ça, c'est de l'amour, puisque le réel amour est pleinement envers soi. Et ce qui fait qu'on ne cherche plus rien à l'extérieur de soi, donc il n'y a plus de notion d'attachement envers d'autres personnes. En fait, on ne va plus chercher à se nourrir au travers de l'extérieur, finalement, puisqu'on est rempli par l'amour qu'on se porte. Eh bien, ça va créer qu'on est différent, finalement, des gens autour de nous. Et pendant un temps, on peut peut-être penser qu'il y a un problème à l'intérieur de nous, du fait qu'on soit désidentifié, du fait qu'on n'ait plus les mêmes attachements pour les personnes autour de nous. Et en fait, non. En fait, l'amour, c'est ça. Et il faut vraiment oser. C'est comme ça qu'on s'ancre. C'est oser incarner qui on est. Ne plus mettre une illusion devant nous pour se protéger. Puisque ce que ça crée, c'est que ce que vous êtes réellement ne vit pas ici. Puisque ce qui vit ici est un personnage. Il s'agit vraiment de, dans la matière, agir depuis ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire que ce que vous êtes réellement, ce que vous ressentez réellement, fasse partie de cette vie, fasse partie de cette planète, et que ce soit ça qui se reflète ici dans la matière. Et pas quelque chose qui soit mis devant un personnage en pensant que peut-être ce que vous êtes, qu'il y a un souci en vous. Il n'y a pas de souci en vous. Tout ce détachement, tout ça qui survient lorsqu'on se ressent pleinement en soi ou lors d'un walk-in, c'est juste. Parce que ça, c'est l'amour, ça, c'est l'exolition, comme dirait mon frère David Rousseau. Et donc, il s'agit vraiment de vivre votre vie pleinement en alignement à vous,
de pas vous cacher, de pas croire que vous devez changer puisque vous êtes différent des autres. Parce que c'est justement ce que vous venez apporter ici. C'est justement ce que vous êtes venu faire ici. Exister ici en étant pleinement centré en vous, sans vous forcer ou sans vous changer pour correspondre aux autres. Puisque ce que j'ai pu ressentir du fait de cette expérience de walk-in, c'est qu'on peut ressentir des différences même avec toutes les personnes qui s'ouvrent à elles. Il y a encore d'autres différences du fait de cette expérience, cette désidentification encore plus marquée et cette mémoire encore plus vive de ce qu'on est réellement, sans parler de mémoire galactique, de mémoire de ce qu'on est réellement, ça peut créer qu'on se sent même différent de personnes dans ce milieu spirituel et où on peut encore mettre certains personnages propres à ce milieu spirituel en pensant que, en essayant de se faire accepter. Et en fait, il faut vraiment pleinement accepter qui on est et oser incarner ce qu'on est malgré que ce soit très particulier pour les personnes qui nous entourent, malgré que ça ne corresponde à aucun de leurs codes et à aucun de leurs schémas. C'est oser et c'est un processus qui se fait dans le temps. Puisque ça peut être très troublant pour les personnes qui nous entourent. Ça peut être troublant, tout ce détachement. Ça peut être troublant, puisqu'on est vraiment... on incarne finalement quelque chose qui n'a plus rien à voir avec tous les codes matriciels de cette planète Terre. Et c'est ce qu'on est venu faire, en fait. C'est ce qu'on est venu faire ici. Mais il faut oser être soi, oser l'incarner, malgré que ce soit si différent. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Marie, tu voudrais partager? Bah, écoute, c'est déjà tellement bien exprimé. Merci en tout cas pour ce partage, Mathieu. Je te rejoins totalement dans ce que tu exprimes, dans mon expérience, dans ce que je ressens. Pour ma part, c'est vrai que l'incarnation, ça a été un chemin très compliqué et l'ancrage aussi. Ça a longtemps été une question... Enfin, pas qu'une question, une expérience très souffrante pour moi, en fait. Je l'ai aussi vécu comme toi, tu vois, cet ancrage par palier où je suis comme rentrée petit à petit dans mon corps. J'avais aussi la même perception que toi d'être toujours un peu en haut et d'avoir une vision, voilà. Avec cette sensation aussi qu'en rentrant dans mon corps, je ressentais comme davantage mes jambes, mes muscles. Je me rappelle que j'avais une période où je me touchais beaucoup comme ça, comme si je découvrais mon corps en fait. Mmh. Et ouais, en fait, parfois je dis que pour moi, il y a un peu deux types de cheminement dans l'incarnation. Il y a ceux qui s'incarnent en s'ouvrant vers le haut et en développant leur conscience et leur regard vers le haut. Et d'autres gens comme moi ou toi, où on s'incarne en sens inverse, en fait, et où on descend comme ça petit à petit. Et là aussi, là où je te rejoins aussi totalement, c'est quand tu exprimes que quelque part, ce qui t'a permis de t'ancrer véritablement dans ce corps, c'est enfin la façon dont tu fais le lien avec l'amour en fait, avec l'amour et avec le fait de se reconnaître soit dans ces différences aussi. C'est aussi très clairement ce qui m'a permis de m'incarner et de m'ancrer. Et je veux dire un truc aussi par rapport à ça. Oui, c'est ça. C'est que du coup, je suis vraiment allée chercher beaucoup les... En fait, ouais, c'est ça. Le fait d'aller reconnecter avec cette multidimensionnalité, de recevoir des informations de ce que je pouvais vivre, expérimenter ailleurs, etc., dans ce que ça m'amenait à ressentir en même temps, dans cet amour que ça m'amenait à ressentir en même temps, c'est vraiment ce qui m'a donné l'envie et le lien pour venir m'ancrer dans ce corps, de cette conscience de je dois venir amener ça ici, en fait. Enfin, pas je dois, mais c'est comme mon rôle. Tout à fait.
Merci beaucoup. Il y a Alicia qui voulait une précision. Mais du coup, pourquoi, après le changement d'âme, peut-on se souvenir de la mémoire de l'âme qui était là avant? Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. Bah, parce qu'en fait, il n'y a pas d'effacement mémoriel. C'est juste un, enfin, c'est juste. C'est un échange d'âme. Mais tout ce que l'âme qui était là dans ton corps avant a pu expérimenter, ressentir, penser, vibrer, reste mémorisé et inscrit dans ce corps, dans cette personnalité. Et dans donc l'âme qui rejoint ton corps à ce moment-là, elle rejoint pas que ton corps, elle rejoint tout ce qui porte en termes de mémoire, de ressenti et d'histoire en fait. Oui, puisqu'en fait, la mémoire est dans les cellules du corps. C'est pour ça que qu'on en a encore accès. La mémoire est encore dans le corps physique, donc on a accès aux mémoires du début de la vie que l'âme précédente a vécue, puisque ça se trouve dans le corps. Mais je remarque, moi, personnellement, que plus j'incarne qui je suis, plus je descends dans ce corps, et plus j'alchimise toutes mes cellules de l'intérieur, et plus ce qui appartenait à l'âme précédente disparaît. Et je m'en souviens de moins en moins. C'est comme si c'est devenu uniquement la ligne de temps de mon âme depuis que je suis entré ici. Comme si le reste disparaissait au fur et à mesure, vraiment, puisque tout est réalchimisé de l'intérieur. Toutes les cellules sont réalchimisées et reflètent la nouvelle âme. Et c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de résidus dans le corps qui appartiennent à l'âme précédente ou à ses expériences d'avant. C'est exactement ça dans mes perceptions aussi. Et je ne sais pas si vous, vous ressentez ça, mais du coup, par rapport à ce que tu dis, on est aussi vraiment de plus en plus dans l'instant présent, quelque part. Et on est tellement plus dans cet instant présent que c'est pas vraiment que notre mémoire s'efface, parce qu'on a des souvenirs d'avant et tout ça, mais ça, c'est là où ça ne fait comme plus partie de nous aussi, en fait. Parce que plus... en tout cas, dans mon ressenti, toujours, mais plus on est dans cette conscience du moment présent et plus il n'y a que ça qui existe, du coup. Oui, c'est ça. Il n'y a C'est plus que ça. que l'éternel présent, en fait. Oui. Que la présence, puisque tout ce qui est lié à la densité, à la matière, ça devient en fait une extension de quelque part de la conscience, parce que pas oublier que toute la matière, que ce soit nos cellules, nos corps, c'est la conscience qui manifeste cette matière, et que en plus de ça, la matière, ce n'est pas quelque chose de c'est pas vrai, c'est pas réel, parce que faut savoir que la matière, les atomes, ça a été transmis par les êtres de lumière, par exemple notamment Crayon et peut-être d'autres, mais en tout cas elle clignote. Donc en fait, c'est vraiment comme dans un film, c'est comme dans un rêve. Ici, ce que nous vivons, c'est une matrice évolutionnaire, mais en fait, c'est un rêve dont nous ne pouvons pas physiquement, en tout cas, percevoir le fait que c'est un rêve. À savoir que cette matière, elle clignote. Et c'est pour ça que les maîtres, par exemple, ils avaient cette capacité de passer à travers les murs, d'ubiquité, parce que. Et en passant par d'autres plans de fréquence, par des fréquences plus élevées, eh bien, les atomes ils s'entrecroisent et on peut traverser un mur, par exemple, parce qu'on est vraiment véritablement dans un rêve ici. Et le fait de s'incarner, le fait de manifester sa présence divine et j'ai envie de dire christique à travers jusqu'au plus profond de son être, donc à travers tous ses organes, tout son corps, tous ses corps, ses cellules, ses atomes, jusque même subatomiques, eh bien, ça va nous permettre justement d'être dans cette présence, dans cet instant présent, et j'ai envie de dire même au-delà de ça, d'être dans une forme quelque part de paix, de silence, qui va faire que quand l'être va s'exprimer, ce sera véritablement l'être divin qui s'exprime jusque dans la matière, et on va manifester même des choses de façon silencieuse, juste par la présence, par la vibration, par l'intelligence de la lumière,
Parce que la lumière, elle est intelligente. Tout ce qui est autour de nous, c'est vivant. Les plantes, les cristaux, voilà, tous les êtres que l'on côtoie. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le miracle de la présence et la puissance de la présence quand justement on arrive à expurger, à transmuter, même, je vais utiliser un mot fort, transfigurer tout notre être. Tout notre être humain, finalement, et jusqu'à nous incarner réellement en tant que qui on est, comme tu le disais, Mathieu. Oui, c'est ça finalement. Et c'est, je pense que cette expérience de walk-in permet peut-être ça, et d'où l'intérêt, puisque le fait de se désidentifier à ce point-là, de toutes les mémoires qu'il y avait avant, permet ce vide en fait. Et c'est tout ce que j'essayais d'exprimer avant en fait, c'est que accepter en fait, ne plus, une fois que ce vide est là, ne plus essayer de chercher à inventer un quelconque personnage pour essayer de se fondre dans la masse, et simplement laisser descendre et laisser parler ce qu'on est réellement à travers nous-mêmes. Aussi étrange que ça puisse paraître pour les personnes qui nous entourent. Et en fait, ça se rejoint finalement, tout ce qu'on dit là. C'est ça, et on vit pleinement, on est tellement profondément dans l'instant. En fait, dans l'instant, il n'y a rien. Lorsqu'on est pleinement, profondément dans l'instant, vous n'êtes pas en train de penser à vos mémoires passées ou à quoi que ce soit d'autre. Donc il n'y a que ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre cœur, qui peut s'exprimer. Et on entre tellement profondément dans l'instant que parfois même, on peut même oublier ce qui s'est passé plusieurs heures avant ou la veille, ou on entre tellement dans l'instant que la mémoire s'efface, mais on peut toujours y avoir accès puisque le film s'est joué devant nous. Et on peut y repenser si on le voudrait. Mais on entre tellement dans l'instant, tellement profondément, que tout s'efface en fait. Et on rentre dans le centre. Et là, on se rend compte aussi d'ailleurs que l'accélération du temps, comme on en parle souvent ici sur Terre pendant cette période, est seulement liée à l'extérieur finalement. C'est une illusion, cette accélération. Puisque votre centre ne s'accélère pas du tout. Il ne bouge pas et il n'a jamais bougé. C'est que l'extérieur qui s'accélère. Et en fait, c'est ça. C'est que cette illusion d'accélération extérieure nous oblige à rentrer à l'intérieur de nous, dans cet espace de non-temps, pleinement, profondément dans l'instant. Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres choses, notamment d'Audrey, Audrey Jackson, qui dit, jusqu'à peu de temps, je me sentais moitié, mais maintenant, je me sens entière. Donc, ben, si je peux me permettre, pour moi, ça fait référence à ce que tu disais, et c'est vrai que c'est un processus tout à fait normal aussi, c'est le processus de descente de l'âme. D'incarnation de l'âme qui va petit à petit, comme tu dis, s'infuser, s'effuser, manifester sa présence dans toute la biologie, dans toute la matière. Et bah, je pense que tu as intégré, en fait, Audrey, tu as intégré ta plénitude d'âme, puisque ouais, maintenant tu te sens entière. Et que donc, c'est vraiment que tu as intégré. Cette part de toi, ton âme est comme descendue, s'est incarnée, en fait. Plus pleinement dans ton corps. Très bien répondu. Ok. Alors, il y a Karine qui disait, être walking peut-il aider un être lambda? Donc, Aider, je ne sais pas dans quel sens elle l'entend, mais aider ouais. dans le sens accompagner, infuser, oui, évidemment, c'est aussi un peu ce qu'on essayait de traduire tout à l'heure quand on parlait du fait qu'on s'infusait les uns les autres. Maintenant, je ne sais pas si elle pense dans un sens précis. Alors, il y a d'autres questions justement par rapport à l'aide. Dina qui pose la question, un walk-in peut-il être en capacité d'aider
un être présentant de l'interférence avec le bas astral, est-ce que cela peut aussi faire partie de sa mission d'âme, par exemple? Oui, Je réponds. mais je pense que tous les êtres peuvent le faire. Tout dépend des choix d'âme, de la mission, comme on dit. Je pense que tous les êtres peuvent le faire. Donc oui, ça peut faire partie de la mission C'est pas des cap... d'accompagner. Excuse-moi. Oui, c'est ça, c'est pas Non? des capacités qui sont spécifiques aux Walkin en fait. Oui, c'est ça. Après, peut-être que les Walkin en général peuvent être habilités à ça parce qu'ils ont une certaine voilà, un certain développement de leur conscience ou de leur sensibilité, mais c'est pas spécifique aux Walkin. Alors, est-ce que tu pourrais parler justement pour bien, enfin, pour bien s'incarner? Il y a Enjoy qui pose la question, comment faire descendre son âme jusqu'au bout des pieds, entre guillemets, en disant jusqu'au tréfonds de notre temple, de notre biologie humaine, de notre être humain? Comment est-ce qu'on peut faciliter le processus? Toi, tu as vécu quelque chose apparemment dont tu parlais qui a été plus naturel, Mathieu, du fait de la haute fréquence de ton âme. Ou alors est-ce que tu as eu un processus actif à ce niveau-là ou comment est-ce que tu as fait Il y toi a eu. et Marie par exemple aussi? Vas-y, Mathieu. Merci. Il y a eu. Ça s'est vraiment fait par phase, en fait. Il y a eu différentes balises très importantes où je suis fort descendu dans mon corps et où toutes les cellules de mon corps vibraient. C'était comme des préparations pour que je puisse finalement l'intégrer pleinement et rester dedans constamment, je dirais. Mais il s'agit en fait déjà. Tout d'abord d'accepter d'être là profondément pour pouvoir remettre sa conscience sur l'instant présent, puisque lorsqu'on a un rejet de cette incarnation, on sera un peu partout ailleurs sauf ici et maintenant. On sera constamment à la recherche de fuite, que ce soit à travers de tout un tas de choses extérieures à nous ou même dans le mental. Donc il faut déjà accepter d'être ici. Et ensuite, l'énergie va là où votre conscience se pose. Donc, lorsque vous vivez pleinement l'instant, pleinement votre vie, eh bien, vous incarnez plus pleinement votre corps. Lorsque vous donnez de l'attention à votre corps, que vous vous massez, que vous faites du sport, lorsque vous donnez vraiment toute votre attention à votre corps, c'est vraiment des instants où vous allez être pleinement là, pleinement présent dans votre corps. Mais ça se fait par phase pour le walking. Mais plus vous serez dans l'instant, plus vous donnerez de l'attention à votre corps et plus vous serez ancré finalement. Il s'agit vraiment de vivre, de ne pas fuir par le haut ou par vraiment vivre pleinement l'instant depuis l'intérieur de vous-même et donner toute votre attention à l'instant et à votre corps le plus possible. Et peut-être qu'après on pourra faire un petit soin ou quelque chose qui pourrait aider les personnes. Ah oui, Voilà. plaisir. C'était pas prévu, mais on accueille avec grande joie. Merci. Marie, tu veux également parler des processus facilitant l'incarnation? Ouais, en fait, je trouve que Mathieu, il y a déjà très bien répondu, mais ouais, c'est ça. J'insiste effectivement sur le fait d'accueillir sa présence ici et d'une façon générale d'être dans l'acceptation dans sa vie. Je parle de mon expérience toujours, mais c'est ça, le fait d'accepter chaque moment comme on le vit en fait, et moi c'est aussi passé par les émotions, d'accepter parfois, ben voilà, de ressentir des émotions que avant j'aurais pu vouloir fuir. Ça m'a beaucoup aidé à rester là, à comprendre, à conscientiser que je n'étais pas en danger quelque part dès que je ressentais quelque chose de difficile. Je pense qu'il y avait aussi des mémoires en moi qui devaient se dire, oui, il y a quelque chose de véritablement dangereux. Il y a quelque chose de véritablement dangereux quand tu ne te sens pas
confortable avec ce que tu vis. Je le vivais un peu comme une menace. J'avais toujours l'impression que ça allait être un véritable danger pour moi. Donc, accepter mes émotions, accueillir mes émotions. Et aussi, ben, de toute façon, Mathieu l'a dit, mais le rapport au corps, ça m'a aussi énormément aidée. Mais pour moi, pareil, ça a été un apprentissage, en fait, vraiment, un cheminement de plusieurs années. Je pense d'ailleurs pas que je sois au bout de ça. Je considère pas que c'est un acquis, mais je suis quand même maintenant, je le vois parce qu'il y a quelques années, j'étais tout le temps là-haut, et puis maintenant, je suis la plupart du temps ici, en fait. Et je remarque avec le recul que quand je n'étais pas là, ben finalement, j'étais nulle part. J'étais pas un peu ici, un peu là, j'étais juste nulle part. Un peu comme éparpillée, quoi. Et du coup, le fait d'être venue m'incarner dans ce corps, ça m'a aidé à me rassembler aussi, véritablement. Mais voilà, au début, c'était dans mon expérience, c'était très douloureux, hein. C'était douloureux physiquement, c'était douloureux moralement. Mais c'est ça, mettre l'attention sur son corps, lui faire du bien et aussi se faire du bien d'une façon générale, parce que ce qui aide aussi à bien vouloir être là, à trouver un sens au fait d'être incarné ici, c'est ça, c'est de prendre sa place. Et en fait, pour prendre sa place dans ma conception, c'est aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer dans notre vie, se nourrir de choses qui nous apportent de la joie, une certaine forme de satisfaction pour s'amener aussi une forme j'allais dire de récompense. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais c'est ça, amener du sens au fait d'être là et s'amener du réconfort aussi dans le fait d'être là. Mais d'être dans cette acceptation et de ne plus subir ça, en fait, de trouver des choses dans sa vie qui nous amènent à ne plus subir le fait d'être ici, mais à trouver un sens et au-delà de ça, à se sentir bien ici, arriver à finalement se sentir bien là où on est. Oui, effectivement, pour vivre cette joie, la joie de chaque instant, finalement, la joie de l'instant présent, la joie émanante. voilà, alors peut-être encore deux questions si vous voulez, et puis après on fait le soin, comme ça on fait à peu près 2 heures d'émission. Ok. Alors, il y a Isa Daé qui pose la question, comment savoir si on a un walk-in, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une évidence par rapport au fait qu'on se dit, bah, tiens, je suis un walk-in ou pas? Est-ce que vous pourriez... Bah, je pense que c'est vraiment un rappel intérieur. On s'en souvient intérieurement et ça peut surgir lorsqu'on regarde une émission comme celle-ci, par exemple. Donc c'est vraiment s'écouter à l'intérieur de soi et pas tellement trouver de caractéristiques extérieures à soi, caractéristiques type auxquelles on pourrait... C'est vraiment s'écouter à l'intérieur de soi et voir ce qui émerge lorsqu'on écoute ce genre d'émission. C'est un souvenir qui revient à l'intérieur de soi. Et pas tellement une histoire, je dirais, de caractéristiques extérieures qui pourraient permettre de se dire mentalement, ah, je suis Wulkin, c'est un souvenir qui émerge. Tout à fait. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marie? Rien, si ce n'est que encore une fois, c'est en se basant, c'est ça, sur nos ressentis. C'est pas forcément quelque chose en tout cas dans mon expérience, c'est pas quelque chose que j'ai tout de suite mentalisé. C'est plutôt comme des ressentis que à la base je ne savais d'ailleurs pas vraiment nommer. Et petit à petit, j'ai eu comme des pièces de puzzle qui sont venues à un moment donné comme une sorte d'évidence, en fait. D'accord. Merci beaucoup. H67B, est-ce que une particularité de walk-in est de ressentir le passé proche comme étant très lointain? Pour moi, oui. Je le vis comme ça et je pense presque de plus en plus comme ça chaque jour. C'est ça. C'est que, comme ce qu'on disait avec Mathieu tout à l'heure au sujet de la désidentification de l'ego, bah, du coup, tu peux. En tout cas, moi, je peux vraiment vivre les choses très, très intensément, les ressentir profondément, être à 100% dans l'instant, etc. Et du coup, l'instant d'après, ça n'existe déjà plus.
Donc oui, c'est un peu même parfois perçu dans mon esprit comme un souvenir lointain. Et c'est pour ça aussi, je pense que Mathieu Stern disait, ben, il y a des trucs 3 heures après, t'as déjà oublié quoi. Oui, c'est ça. C'est Au ça. début, moi, j'avais un peu la sensation de perdre mon cerveau. Genre, j'ai plus de mémoire. J'avais l'impression d'avoir des bugs. Ouais, c'est ça. Alors voilà, je suis désolé, il y a encore d'autres questions, mais voilà, on va peut-être, je pense qu'il serait vraiment intéressant, comme on est encore très très nombreux à cet instant, de voilà, faire peut-être cette petite méditation, cet accueil dont tu voulais parler, dont tu nous as parlé, pardon, Mathieu. Oui. Alors ça peut sembler particulier, mais peut-être que pour les personnes qui ressentent vraiment une difficulté à s'ancrer, peut-être qu'elles pourraient se lever et taper des pieds sur le sol. Taper des pieds, je me souviens que un jour j'ai fait ça et ça a été une de ces balises. Ça a été une de ces balises où j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Du fait d'être amené à mon corps comme ça, en vraiment ressentant une connexion avec le grand soleil central, en ayant envie d'y retourner. Mais ça m'a permis de réaliser à quel point j'avais peur et d'être ramené à mon corps. Et donc peut-être que voilà que les personnes qui le sentent pourraient le faire. Et alors on leur laisse peut-être quelques secondes pour le faire. Vraiment taper des pieds sur le sol pour ressentir ses pieds, ses jambes. Et presque, s'ils veulent sortir des sons spontanés aussi en même temps, ça peut Ah, yes. aider. Voilà, vous allez pouvoir vous rasseoir pour les personnes qui l'ont fait et les autres, voilà, fermez les yeux. Et vous recentrez pleinement vous. Les pieds, essayez d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Et voilà, on va faire passer certaines choses, certaines fréquences. Voilà, vous pouvez revenir ici tout doucement. Quand vous êtes prêt.
et peut-être que les gens peuvent nous dire ce qu'ils ont pu ressentir, et peut-être vous deux aussi, ce que vous avez pu ressentir. Oui, je te laisse la parole, Marie. Alors, avant de ressentir, tout de suite, en fait, quand j'ai fermé les yeux, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu la lettre E. Et derrière, m'apparaissait un peu comme des mouvements du corps en forme de lettres. Et c'était comme une façon d'exprimer, ça me faisait ressentir ça, du coup, derrière. Que l'ancrage et l'alignement, c'était pas forcément quelque chose comme on s'imaginait de un truc un peu figé, tout droit, raide, mais que ça pouvait être aussi vraiment justement le mouvement, l'expression corporelle et tout ça. Donc j'étais un peu dans ces ressentis-là à ce moment-là. Voilà, bah j'ai ressenti ta présence, Mathieu. Voilà, notamment, bah tu m'as dit quelques mots à partir de là-haut. Voilà, j'ai l'impression aussi bah, que vous êtes encore plus beau. C'est-à-dire que voilà, une rayonnance supplémentaire que je perçois, et je perçois plus comme si vous étiez plus réel en fait, plus beau quoi, vraiment plus rayonnant, magnifique. Donc voilà. Voilà. Sinon au niveau des partages, voilà, il y a Mathieu M qui disait merci mon frère, ça vibrait bien. Linda, j'ai ressenti mon chakra du cœur, une ouverture, il me semble, mais pas sûr. Ensuite, Isad disait des vibrations, mon corps qui penchait vers l'avant. Voilà, ensuite, Jocelyne, une chaleur douce qui se répand. Nathalie, très forte vibration dans mon corps. Denise, intense chaleur au niveau de la tête. Nora qui disait, moi, j'ai entendu confiance et son vibrateur, donc des sons vibrateurs. Lolita, une telle connexion avec les deux mains et un cœur. Marine disait qu'elle a ressenti des crampes au plexus. Natacha, chaleur et vibrations douces, légères. Karine, comme un visage d'homme flou avec une frange très courte, lui est apparu. Marine, beaucoup de frissons. Et le sergent, donc coronal et cœur. Véronique, des fourmillements et entendu connexion aux deux soleils. Cette phrase revient de temps en temps. Connexion aux deux soleils. Alors, qu'est-ce que ça pourrait incarner pour toi, ou qu'est-ce que ça pourrait dire, pardon, Mathieu? Connexion aux deux soleils. Bah peut-être le lien entre le grand soleil central et le soleil qu'on porte à l'intérieur de nous. Peut-être une reliance entre les deux, je ne sais pas. Je pense que c'est propre à cette personne et qu'il faut qu'elle l'aille voir à l'intérieur d'elle-même pour comprendre ce que ça signifie. Bah, effectivement, moi, ce qui m'est venu immédiatement, c'est connexion au grand soleil central et au soleil, au soleil Le de nôtre, peut-être. de notre système. Ouais. Donc, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Ensuite, Anne, des pleurs au moment de taper des pieds, après soulagement et douceur. Donc, effectivement, c'est une merveilleuse méthode. C'est des terres. Encore plus avant, j'ai l'impression d'être observé et je sais que je ne suis pas seul et que mes guides sont là avec moi, me guident et me protègent. Donc effectivement, on a pu ressentir des présences ou de lumière ou ses guides ou sa famille d'âme, quoi. Isabelle, chaleur et comme des vertiges. Donc voilà. Voilà pour les partages. Isab, fourmillement au pied. Voilà, merci, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être vous laisser conclure, Mathieu et Marie, si vous voulez.
Oui, eh ben, c'était un super bel échange comme je le pressentais. Je trouve que c'est un sujet tellement vaste et qui amène à faire des liens avec tellement de choses qu'en fait on n'a jamais vraiment fini d'en parler. Je me suis beaucoup reconnue personnellement dans ce que vous avez abordé tous les deux. Voilà, c'était vraiment un très beau moment et je pense que à un moment donné, sous une forme ou une autre, ça peut vraiment être voilà des sujets à approfondir et à développer encore en fait parce que je pense qu'on va être de plus en plus à se reconnaître en tant que walk-in et du coup bah, c'est vraiment important et réconfortant et porteur de pouvoir parler entre nous pour s'éclairer les uns les autres sur ce qu'on peut vivre et ressentir en fait. Voilà. Donc Merci. en tout cas, merci à tous les deux et merci à tous ceux qui ont écouté pour leur présence. Merci. Ben moi, je vous remercie aussi tous les deux pour cette émission. Ça m'a fait plaisir de le faire et c'est un sujet qui me parle forcément et donc je trouve ça chouette qu'on puisse en parler. Effectivement, je pense que de plus en plus de personnes vont se reconnaître comme Walking. Et donc c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Et bah, je vous remercie tous les deux pour cette émission, pour l'invitation aussi. Et toutes les personnes aussi qui sont là ce soir, je vous remercie pour votre présence et pour tous les messages que vous avez écrits. Voilà, merci Merci. beaucoup. Merci infiniment. Moi, pareil, très heureux d'avoir participé à cette émission, cette conférence avec vous et avec chacun et chacune d'entre vous. Et donc, j'avais juste quelque chose qui m'est venu. C'est notamment aussi lié à une question. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Je sais que Mathieu, donc, tu as une chaîne YouTube dont le lien est dans la description de la vidéo. Et est-ce qu'on peut te contacter notamment pour faire des soins? Par exemple, il y a cette question qui est revenue aussi. Oui, alors j'ai un mail aussi, j'ai une adresse email qui est contact.rogermathieu@gmail.com. Contact. Rogermathieu. Attaché. Oui. Ah, d'accord. @gmail.com. J'ai mis le point comme. Donc, celle-ci, je vais pouvoir la passer à l'antenne parce que, voilà, il n'y a pas de risque Oui, que je non. change ou que ce soit modifié après. Voilà. Donc, voilà, voilà. Super. Donc, Marie, donc toi, tu as un site internet dont le lien est aussi dans la description de la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité de thérapeute et d'accompagnante? Eh bien, je propose différentes sortes de soins. Voilà, je suis dans l'accompagnement aux personnes depuis plusieurs années. Je fais surtout beaucoup de lectures akashiques parce que c'est vraiment mon dada. Mais encore une fois, je propose aussi d'autres choses comme des soins galactiques, entre autres, des séances d'hypnose. Mais voilà, je vous laisserai découvrir ça pour ceux que ça intéresse parce que j'aime pas trop faire ma promotion. Je préfère laisser les gens qui se sentent naturellement guidés aller découvrir. Voilà, donc je peux me permettre de passer de mettre en ligne ton site, le lien. Oui, avec plaisir, bien sûr. Et donc, bien me concernant, bah, je vais le mettre aussi. Donc, il y a un site internet qui en fait contient en fait les vibrateliers que je réalise, soit moi-même. Donc, il y en a deux que vous pouvez réaliser en replay, soit effectivement avec d'autres thérapeutes ou d'autres êtres comme Philippe Gilbert, Philippe David, Angélique, H et Angèle. Et donc, vous retrouvez ces ateliers, ces vibrateliers sur eveyum.fr. Il y en a beaucoup qui sont en don du cœur sans minimum. Il y en a qui sont en don du cœur aussi avec un minimum.
Et vous avez notamment une méditation spéciale que j'ai faite, que j'ai faite aussi en guidance et en présence, qui est un soin de tous les chakras. En présence, je suis. Donc, c'est un auto-soin de votre divinité qui va vous prendre en charge et manifester les soins avec votre équipe aussi et votre famille d'âme. Et ensuite, il y a une reconnexion à votre famille d'âme dans l'espace du cœur sacré. Donc, ça s'appelle le soin des chakras de la 5D et reconnexion à sa famille d'âme. Donc, que vous pouvez faire et c'est en donation à partir de 33 euros. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Voilà, on était très nombreux ce soir, un peu moins de 200. Donc je vous souhaite une merveilleuse continuation à toutes et à tous, à toi aussi et à toi Marie, et peut-être à bientôt alors pour d'autres conférences. Merci. Merci. Namasté. Namasté, au revoir Mathieu, il est figé, je ne sais pas s'il est. Figé. Ah mince, j'avais Ah. pas remarqué. Bon ben voilà, je pense que. Bah, voilà. C'est que c'est le Ouais, moment. c'est que c'est ainsi. Alors, au revoir et à très bientôt. Bonne continuation. Bonne Ciao, ciao. soirée. Portez-vous bien.